Parfois, j'aime provoquer parce que Dieu provoque. Un des plus grands provocateurs qui, quelque part, était mon papa spirituel, c'était Élie. Est-ce que c'était un provocateur, lui? Avec les prêtres Baal, est-ce qu'il les a provoqués? Oui, bien sûr. Est-ce que nous, en tant que chrétiens, on a le droit de provoquer avec le Saint-Esprit? On peut tout, s'il nous le dit. De temps en temps, je suis en Afrique et je ne suis pas invité dans des grandes villes, mais souvent dans des petits villages. Et là, dans ces petits villages, il y a, en français, on dit un chef coutumier. C'est une sorte de maire, un maire spirituel, et il faut toujours qu'il amène des sacrifices. Des poulets morts, du sang et ce genre de ça, c'est le prêtre au culte du village. Il est souvent à la sortie du culte et j'ai remarqué quand les Africains passent, ils ont peur de ce genre de personnes parce qu'ils ont une autorité spirituelle démoniaque. Et souvent, je suis rentrée dans les villages avec d'autres personnes et j'ai remarqué que même les missionnaires ou les pasteurs là-bas, quand ils voyaient un sorcier comme ça, ils baissaient leur regard. Et c'est une manière de dire je me soumets, je me suis plus petit, je me soumets. Et moi, je ne voulais pas faire ça. Je ne voyais pas que je devais me soumettre en tant que serviteur de Dieu, que je devais baisser mon regard devant un prêtre occulte. Alors, ils disaient ça, on ne le fait pas. Je dis, mais moi, je fais quand même. Mais à chaque fois qu'il y en avait un à l'entrée du village ou à la sortie, je disais bonjour, je le regardais dans les yeux. Il me regardait courtement. Après, c'est lui qui baisse son regard. Tu comprends? Il faut que nous arrêtions de nous soumettre, d'être petits, parce que nous avons de l'autorité. Et un dimanche matin, je prêchais là-bas. C'était une assez grande assemblée. Il y avait sans doute 500 personnes à peu près. Ils étaient assis ensemble comme des poulets dans un poulailler. Il y avait un toit en tôle et dehors 40 degrés. Tu pouvais vraiment cuire des œufs sur le toit tellement il faisait chaud. Tout était rempli, la salle était remplie. Je voulais commencer et tout d'un coup, j'ai remarqué chez les anciens, chez les pasteurs, ils ont commencé à parler. Il y avait comme ça quelque chose qui n'allait pas. Alors, j'ai demandé à quelqu'un, qu'est-ce qui ne va pas? Alors, ils ont dit, oui, les chefs coutumiers de 5 villages viennent maintenant ici. Et ils viennent, ils rentrent et un garde du corps devant et l'autre derrière. Ils ont comme ça leur bâton magique avec eux. Et toute l'église, les anciens, sont paniqués. Qu'est-ce qu'on fait? Et eux, ils ont vidé la première rangée et ils ont laissé asseoir ces personnes-là devant, les chefs coutumiers. Et les pasteurs disent, lui vient me voir et dit, « Pierrot, ils ont demandé, est-ce qu'à la fin du culte, tu peux prier pour eux? Est-ce que tu peux les bénir ?» Et dans certains endroits, surtout en Afrique, pour eux, ils voient que tu as une puissance spirituelle, ils veulent alors être bénis. Et j'ai dit, je vais réfléchir, mais ils doivent une fois venir devant. Et je remarquais que le pasteur transpirait de panique. Et moi, je prêchais. Je dis à ces 5 chefs coutumiers, ces prêtres, ils doivent venir devant. Donc, le garde du corps s'est levé derrière et je disais, j'aimerais pas vous bénir, mais j'aimerais prophétiser sur vous. Est-ce que c'est OK? Il disait oui, je ne les ai pas bénis, j'ai prophétisé sur leur vie. Et très précisément, je peux te dire, la puissance de Dieu était vraiment venue fortement. Ça m'avait surpris que Dieu avait même des mots gentils pour certains, malgré qu'il était un sorcier, il avait un bon cœur.
Et j'ai prié avec eux, et c'était tout normal, et ils ont vraiment accepté ça, mais j'ai vraiment vu que beaucoup de leaders spirituels avaient peur de ce genre de personnes. Et il ne faut pas qu'on ait peur, parce que celui qui est en nous est plus fort. C'est tellement simple dans un culte de dire « Amen ». Oui, l'onction est là, on est beaucoup, Amen, c'est beau. Gabrielle Trinkler, je ne sais pas si vous connaissez, c'était une dame, une femme de Dieu en Allemagne. Pendant des années, elle faisait de la délivrance et elle racontait, elle vient d'une famille de sorcières et tous étaient des sorciers, sorcières et même dans leurs ancêtres. Et à 9 ans déjà, elle savait déjà sur un balai comment elle pouvait voler. Dans la maison. Et c'est une sorcière et elle savait consciemment dans son village, il y a des chrétiens. Elle les méprisait parce qu'elle disait, tu sais pourquoi? Parce que tout le village savait qu'elle était sorcière. Quand je marchais sur le trottoir, il y avait des chrétiens qui venaient en face, ils changeaient toujours de trottoir. C'est pour ça que je les méprisais. Ça, c'est l'image dans le monde invisible. Il faut que nous arrêtions d'avoir peur du monde invisible. Il faut de nouveau arriver à ce niveau où nous sommes, comme Élie, de provoquer. Je remarque comme l'enthousiasme sort de la salle maintenant. Bon, le thème de ce soir, où je dis on peut inscrire, apprends les miracles. Est-ce qu'on peut apprendre les miracles? Oui, nous pouvons apprendre les miracles du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut nous apprendre comment nous pouvons, au nom de Jésus, apprendre les miracles. Premièrement, ce qu'il faut que tu saches, Dieu est 100% surnaturel. C'est juste ça? Chez Dieu, il n'a rien de naturel. Dieu n'est pas humaniste, Dieu n'est pas une personne, Dieu est Dieu et il est 100% surnaturel. Les humains ne sont pas surnaturels. Les humains, ils ont une âme et ils ont une conscience. Leur conscience ne va jamais t'aider à faire des miracles. Je pense que la personne la plus intelligente qui était sur la Terre, c'était Einstein, c'est juste. Est-ce que Einstein a fait un miracle? Ça veut dire qu'il n'a pas besoin d'être intelligent pour faire des miracles. Il faut que tu aies cette relation avec Dieu. Dieu est 100% surnaturel et quelque part, je ne peux pas comprendre que beaucoup, tellement de chrétiens, d'églises, dénominations, mouvements chrétiens, tout est basé sur des principes chrétiens, de l'organisation, de la théologie. Et ce Dieu qui fait des miracles est en l'arrière-plan. Il n'est même plus là. Et on ne compte même plus sur lui. Nous ne l'avons donc plus besoin. Mais je crois que c'est un temps où Dieu dit, j'aimerais de nouveau faire des miracles pour vous ébranler et pour vous rendre attentif. Une croix déjà, c'est bon, c'est mieux que personne. Ce Dieu qui fait des miracles, pendant tout un moment, il s'est retiré et il a dit, faites voir avec votre église, avec vos grands professeurs, avec vos universités, vos théologiens, faites voir et on va regarder ce que vous allez faire. Qui va encore le dimanche matin dans les grandes églises? Presque que des grands-pères, des grands-mères à partir de 80 ans. Les grandes églises sont vides parce que ce Dieu surnaturel n'est plus là. Moi, je viens d'un milieu comme ça, très, très croyant, très, très religieux, et tout tournait autour de Dieu, ce qu'on a le droit et ce qu'on n'a pas le droit. Un Dieu qui voit tout, un Dieu qui voudrait qu'on soit très sérieux, sans péché. Et quand le Seigneur revient, et qu'il revient, il nous emmène. Et si on a péché, et peut-être qu'il nous laisse à la maison s'il vient. Ça, c'est ce Dieu que j'ai connu en tout petit. Mais je n'en voulais plus. Je voulais plus ce Dieu.
tout le temps ce « il faut que tu fasses ça », que tu n'as pas le droit de ça, que ce Dieu qui donne des lois. Et très tôt, j'ai remarqué qu'il n'y avait rien. Alors, j'ai appris à connaître des personnes. Ils connaissaient le surnaturel. Wow, ça, c'était intéressant, tu comprends? C'était plus vivant que l'Église. Et je suis glissée là-dedans avec la pensée positive, la méditation, plein de choses surnaturelles, l'hypnose. Et là, il y avait quelque chose de surnaturel. Et ça, c'était intéressant. Ça, c'est la raison pourquoi tous les enfants regardent Harry Potter. Tu comprends? L'Église, c'est ennuyeux. Harry Potter, c'est vivant. Et je crois que dans chaque personne, il y a quelque chose qui cherche de plus que l'humain. Et si nous ne donnons pas, ils vont le chercher du mauvais côté. Dieu est 100% surnaturel. Et nous, nous avons un corps, nous vivons dans un corps, nous avons une âme, nous avons des sentiments, nous avons une conscience, et tout ça, ce n'est pas surnaturel. La seule chose surnaturelle dans l'humain, c'est son esprit. Si les gens ne commencent pas avec l'esprit, ton cœur, tout au fond de ton cœur, ton esprit, quand il est en contact avec Dieu, avec ce Dieu de miracles, au travers du Saint-Esprit, est capable de que dans ton esprit, il y a des miracles. Dieu a donné un bâton à Moïse, c'était aussi un provocateur. Il a jeté son bâton et il s'est transformé en serpent. Les sorciers du village sont aussi venus, ont fait pareil avec leur bâton, mais le serpent a mangé celui des sorciers. Toi, tu voudrais aussi que ton serpent mange celui des autres? Ça fait vraiment plaisir. Dieu est 100% surnaturel. Et chez Dieu, il n'y a pas de limite. C'est juste ça. Il n'y a rien d'impossible chez Dieu. Mais nous, nous sommes limités. Notre conscience est limitée. Et avec notre tête, avec nos sentiments, nous n'allons jamais faire de miracle. Et la majorité des chrétiens que je connais, ils vivent dans leurs sentiments, dans leur âme. Et une des choses les plus importantes, le vrai mot des pasteurs veut dire, ça, eux, ce sont les bergers des âmes. Pour que tu ailles bien, le Seigneur t'aime, il prie pour toi, on prie encore pour toi, on prie encore pour toi. Tu reçois ceci, tu reçois des petites caresses. Et il caresse ton âme, le pasteur. Et c'est bon, il faut que ton âme aille bien aussi. Mais ton âme ne fait pas de miracles. Les miracles se passent dans l'esprit. Le problème est que l'esprit de la plupart des chrétiens est sous-développé. Tu es né de nouveau? Ça signifie ton esprit était séparé de Dieu à cause des péchés. Jésus t'a pardonné, tu l'as accepté et le Saint-Esprit vient, tu es né de nouveau. Ça signifie ton esprit peut de nouveau être en contact avec l'Esprit de Dieu, peut être en contact avec Dieu qui est esprit. Et si ton esprit commence à grandir, à fonctionner, à se développer, alors tu vas de plus en plus être en communion avec ce Dieu qui fait des miracles. Avec ce Dieu de miracles, avec ton âme, tu ne reçois pas de miracles. Quand j'entends parfois les gens prier, « Oh Seigneur Jésus, guéris-le, tu l'aimes donc tellement, moi aussi je t'aime tellement, et la maman pleure donc tellement, gna 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 gna. » Tu peux prier 100 ans comme ça. Quand le Saint-Esprit est là, et ce bâton est en toi, tout d'un coup tu peux dire « ça vient maintenant ». Maintenant, esprit, tu sors au nom de Jésus de cet enfant. Ça dure 10 secondes et l'esprit est sorti de l'enfant. Et tu vas vivre des miracles. Le problème, surtout en Allemagne, en Europe, notre âme est super enseignée, trop enseignée. Et les gens ont entendu tellement de prédications, de CD, de cassettes, de livres, d'écoles bibliques. Leur tête est remplie de savoir, de versets bibliques, de principes, mais leur esprit dort. Et je crois que le temps de l'esprit va venir. Le temps de l'esprit va venir et Dieu voudrait utiliser ton esprit. Et je crois que c'est important que l'apostolique et le prophétique reviennent parce que le ministère apostolique et prophétique, ce sont ceux qui nourrissent ton esprit. Et il faut que nous arrêtions ce bricolage comme ça.
Et je pense, quand est-ce que ça va de nouveau se faire, qu'une armée prophétique de prière arrête d'être dans leurs sentiments, mais commence de nouveau à être dans leur foi, et leur esprit est de nouveau en contact avec Dieu. On a prié trop longtemps, tu pries, tu sens ta prière va pas plus haut que le plafond. La Bible dit, Dieu est esprit, et nous pouvons l'adorer en esprit et en vérité. Ça veut dire, Dieu est esprit, et toi, tu peux être en communion avec Dieu, avec ton esprit. Arrête avec ta tête, avec ta théologie, avec ton âme, avec tes sentiments, mais apprends à développer ton esprit. Quand l'esprit te parle, ça dure 3 secondes et tu peux faire vivre des miracles. Et dans ton âme, tu peux prier 3 heures, ça ne sert à rien. Ça, c'est la différence entre l'âme et l'esprit. Ce Dieu qui fait des miracles, ce soir, j'aimerais parler de miracles parce que les miracles sont dans différents compartiments. Un compartiment dont je voudrais parler ce soir, c'est l'appel de Dieu. L'appel de Dieu est toujours surnaturel. Dieu appelle des personnes et c'est surnaturel. Il n'appelle pas tes sentiments, ton intelligence, mais ton esprit. Et il faut que tu saches, quand tu es un évangéliste, il y a toujours quelque chose en toi qui a la capacité d'attirer l'esprit des personnes et de les appeler. Qu'est-ce que c'est un évangéliste? Un évangéliste, c'est quelqu'un qui a un esprit et il est comme un aimant. Il appelle les gens à aller à la croix. Un évangéliste, ce n'est pas un théologien. Un évangéliste, c'est la majorité du temps, un vrai évangéliste, comme Reinhard Bonnke. Ce n'est pas des grands théologiens. Quand un évangéliste comme ça prêche, la majorité des théologiens, leurs cheveux se dressent sur la tête quand ils les entendent. Un évangéliste, ce n'est pas celui qui parle avec du grec, de l'hébreu, du latin et tout, mais il raconte. Et pendant qu'il raconte, l'appel de Dieu sort de son esprit. Et alors, il fait un appel et le pasteur pense, qu'est-ce qu'il a donc raconté comme bazar, et tout d'un coup, les gens courent vers l'avant parce que dans son esprit, il y a un aimant qui appelle. C'est quelque chose de surnaturel. L'appel est surnaturel. Il faut que tu saches quand tu prêches ou quand tu évangélises, quand toi, personnellement, tu évangélises et tu ouvres ton cœur et l'Esprit de Dieu vient, alors il y a quelque chose de surnaturel. Tu ne peux pas convertir quelqu'un avec ton intelligence. Tu peux au minimum le rendre religieux. Tu peux lui parler de l'enfer pour qu'il ait peur et après vient à l'église. Tu fais un religieux, mais pas une personne née de nouveau. C'est l'esprit qui appelle et ça, c'est surnaturel. Quand j'étais nouvelle convertie dans l'église, de temps en temps, il y avait un évangéliste qui venait. Il savait normalement raconter et pendant qu'il racontait, et à la fin de sa prédication, je sentais qu'il y avait quelque chose, quelque chose qui m'attirait, comme si tu avais envie de mettre tes doigts dans la prise de courant. Comme ça, il y avait quelque chose qui était là. C'était cet esprit évangéliste qui est là et qui appelle. J'étais en France, à Mulhouse, je prêchais là-bas. Le pasteur me disait, j'aimerais te présenter quelqu'un. Alors, il me présente son ancien d'église, c'était comme ça, un très grand homme. Il avait des mains comme des poils à frire. Alors, il me raconte, j'étais athée, mes parents sont athées, toute notre famille athée. Et ces chrétiens, ces religions, les méprisaient. Et quand j'avais 20 ans, j'ai donné ma vie à Jésus, son jeune. Et je lui disais, moi j'ai grondé avec mon jeune qui de 20 ans, moi je ne veux plus que tu me racontes de Jésus dans ma maison, sinon je te jette dehors. Et cet homme, il avait un fort caractère et son fils ne disait plus rien. Et je crois 2 semaines plus tard, ils discutaient à cause du foot. Donc ils pouvaient de nouveau parler ensemble.
Alors, ils ont voté, ils ont parié pour un jeu. Le père, il dit, cette équipe ne peut jamais gagner. Le fils dit, si, si, ils vont gagner. Et ils se sont donc discutés. Tout d'un coup, le fils dit, moi, je parie avec toi qu'ils vont gagner. Le père, non, non. Alors, le fils dit, on vote pourquoi, on prie pourquoi. Le père dit, si tu perds, tu dois laver ma voiture dedans, dehors. Et le fils dit, papa, si toi tu perds, il faut que tu viennes avec moi à l'église. Vous pouvez deviner qui a gagné. Et cet homme disait, effectivement, j'ai perdu et je suis un homme de parole. Donc je suis allé avec mon fils, je suis allé dans l'avant-dernière rangée, j'ai écouté et je pensais, c'est tous des fous là-dedans. Qu'est-ce qu'ils racontent? Et celui-là devant qui racontait des bêtises devant, il appelle même des gens, effectivement, il y a même des gens qui se vont devant, mais ils sont donc fous. Et tout d'un coup, il sentait une main dans son dos. Alors, qu'est-ce que c'est effronté? Il se disait, je vais me retourner, je lui en tapais une. Il se retournait et il n'y avait personne derrière lui. Et il sentait toujours plus fortement la main derrière lui. Et la main le poussait devant. Et il disait, j'étais là devant, je ne savais pas pourquoi. Je commençais à pleurer, je commençais à trembler. Et tout d'un coup, quelqu'un venait m'imposer les mains et Jésus venait dans ma vie. Une main l'a poussé devant. Un Dieu comme ça, je voudrais servir, tu comprends? Je ne voudrais pas trouver des choses intelligentes pour que les gens viennent devant. J'aimerais que Dieu appelle les personnes. Et dans ma vie, j'ai tellement vécu où je sais, ce n'est pas moi, ce ne sont pas mes capacités, mais c'est Dieu qui appelle pendant que je prêche. C'est un Dieu surnaturel. L'appel de Dieu est surnaturel. Le premier appel qui était venu chez Moïse, Moïse ne serait jamais allé quelque part, mais le feu était surnaturel. Il ne s'est pas éteint. Tu sais, cet appel et ce surnaturel, c'est quelque chose qui va de pair. Quand j'étais nouveau converti, j'avais dans mon cœur, j'aimerais servir Dieu. Alors on va à l'église, on va dans l'assemblée, on fait la louange, on donne sa dîme, on essaie aussi de donner témoignage. Et alors j'étais chez moi à la maison, mon épouse était faire des achats avec mes enfants, et j'aime quand la maison comme ça est tranquille. Et je me suis réjouie, c'est de l'après-midi, la maison est vide, ça sonne. Et quelqu'un était là, un vendeur d'aspirateurs de Forvec. Je sors, je dis bonjour, on est de Forvec, on veut vendre nos aspirateurs. Et je disais, mon épouse n'est pas là, venez une autre fois. Bonne journée à vous, bye bye. Donc il repart, il descend quelques marches, le Seigneur dit, rappelle-le. Donc, j'ouvre la porte, vous pouvez de nouveau venir. Et il pensait, ouais, je peux enfin vendre quelque chose. Alors il rentre et je savais, il faut maintenant que je l'évangélise. Alors j'ai un peu raconté comment on fait tout. Je dis, ok, je suis à l'église, on a une belle église, une assemblée, il y a un Dieu. Et j'ai essayé de raconter, il disait, ouais, intéressant. Il faut que j'arrive maintenant après 10 minutes. Donc il est reparti, j'étais un peu frustré quand même. Il s'en va, il va à sa voiture. Le Seigneur dit, rappelle-le. Donc je sors et il pense que oui, je suis un peu... Il avait déjà allumé sa voiture. Je toque à sa fenêtre, je dis, viens, rentre de nouveau. Alors il rentre de nouveau avec son aspirateur. Et le Seigneur dit, est-ce que tu veux apprendre à connaître mon appel? Il faut que tu ouvres ton cœur. Arrête de raconter des belles choses. Raconte ce qui est dedans toi. Alors cet homme était là. Après 10 minutes, il me racontait, oui, il était vendeur chez Forvec, de profession, il est ingénieur en DDR, il n'avait pas de boulot, alors il fait ça, ceci, blablabla. Et le Seigneur dit, maintenant raconte ce qui est dans ton cœur. Je commençais à raconter comment Jésus a transformé ma vie, que j'étais en prison, et j'ai commencé à raconter. Et pendant que je racontais, je ne sais pas pourquoi, l'amour de Dieu est venu et je pleurais. J'arrivais presque plus à parler, je faisais que de pleurer. Je ne sais pas s'il remarquait, mais tout d'un coup, lui aussi commençait à pleurer, comme ça, il y avait deux hommes à table qui pleuraient.
Et après un moment, il dit, je suis un menteur, je ne suis même pas un ingénieur. J'ai tout raté dans ma vie, tout d'un coup, il commence à raconter sa vie et ses péchés. Alors j'ai prié pour lui, il est né de nouveau. Le jour d'après, à Karlsruhe, j'ai fait une évangélisation. Il est venu avec sa copine et elle aussi s'est convertie ce soir-là. Vraiment, c'était une super conversion comme dans les livres. 5 ans après, il vient à l'église, il vient et dit « Vous ne me connaissez plus ?»« Mais si, mais je suis donc ce fameux vendeur d'aspirateurs. » Il avait une grande Bible sous sa main et dit « Depuis 3 ans, j'évangélise, je suis devenu évangéliste. » Le Saint-Esprit travaille souvent au travers de ton cœur, pas au travers de ton intelligence. Vous comprenez ça? On essaie tellement avec notre intelligence de faire les choses. Le Saint-Esprit habite dans ton cœur. L'amour de Dieu au travers du Saint-Esprit est rentré dans ta tête? Non? Dans ton cœur, il est rentré dedans. Romains 5:5, l'amour de Dieu au travers du Saint-Esprit est rentré dans ton cœur. Et tout au fond de notre cœur, il y a ce Saint-Esprit. Et lui, il est en communion avec Dieu et ce Dieu qui fait des miracles. Et le problème principal, c'est que nous, ou la majorité de chrétiens en Allemagne, essaient leur intelligence remplie avec des principes chrétiens, bibliques et tout. C'est pas faux, mais au travers de ça, ils essaient de travailler, mais pas au travers du Saint-Esprit qui est en nous. Le Saint-Esprit fait des miracles, je veux dire. Pourquoi Dieu veut faire des miracles? Parce qu'il veut de nouveau notre attention. Tu sais, si les gens sont athées, s'ils sont fermés et tout, et ils voient des miracles où on ne peut pas discuter, moi je te dis, ils sont secoués, ébranlés. Je vous raconte une fois. Au début de l'église, un couple vient, ils étaient non-croyants, la femme est venue parce qu'un médecin les a envoyés. Elle avait un accident de moto et son bras était cassé 3 fois. Et il avait 4 ou 5 centimètres plus court que l'autre. Et le médecin a dit, si vous voulez un miracle, ne pas opérer, allez à la Taube. Alors ces gens viennent, l'homme athée, la femme religieuse. Alors ils viennent devant, ils veulent la prière. Il m'a dit tout de suite, moi je suis athée, je dis oui, ça ne me gêne pas, ça ne gêne Dieu pas non plus, et j'aimerais prier pour cette femme. Alors lui ferme les yeux, alors je dis, monsieur athéiste, laissez les yeux ouverts, vous ne comprenez quand même pas, vous ne croyez de toute façon pas. Parfois je dis des choses comme ça un peu folles. Tu sais pourquoi je dis ça? Je commençais à prier en l'espace de 30 secondes, ça fait crac, 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 et le bras est devenu grand, droit, et s'est rallongé. Il disait rien du tout, il a pris la femme, il est parti. Le jour d'après, il appelle mon épouse à 11h, le jour d'après, il appelle à la maison, il dit, elle aimerait se laisser baptiser, comment il doit faire? Il doit être protestant, catholique, comment on fait ça? Mon épouse dit, mais vous étiez donc monsieur tant et tant qui était chez nous, athée? Il dit, oui, toute la nuit, j'ai lu la Bible. Il a lu tout le Nouveau Testament et il a reconnu qu'il doit se laisser baptiser. Si des incroyants voient des miracles, tu comprends, alors cet esprit de non-croyance, athée, va être brisé et l'appel de Dieu veut venir au travers de signes de miracles. Un homme d'affaires de France m'appelle, il me dit, j'ai lu le livre « Miracle au pluriel » en français. Ça l'avait vraiment touché et il avait sur le cœur d'aller dans une ville où il était souvent, de faire une évangélisation, de faire des cultes de guérison, signes miracles. Et il voudrait tout payer, tout financièrement, il couvre tout, il m'invite. Je dis oui, alors je viens. C'était à Clermont-Ferrand, dans le Massif central, donc je suis allée là-bas. Et l'homme a dit, donc j'ai loué la salle de la ville,
Je suis allé chez tous les pasteurs. J'ai dit, je veux inviter M. Fay pour une évangélisation. Et tous les pasteurs, 4 ou 5, ont dit, cet homme, on ne le connaît pas. Ou les pentecôtistes non plus. Cet homme, on ne le connaît pas, on ne le veut pas. Alors cet homme ne s'est pas laissé démonter. Il a fait imprimer tout plein de tracts. Il a distribué. Sur ce tract était écrit, une soirée de miracles. On vous dit la voyance, un bon, ça c'était un bon pour venir gratuit. Rien avec Jésus, rien de chrétien, rien d'église, rien de tout ça. J'étais dans cette ville, dans cette salle de la ville, j'étais sur la scène devant et je voyais des gens par masse qui rentraient avec leurs bons gratuits. Vous savez ça, c'était tous des gens qui régulièrement allaient chez des voyants, chez des guérisseurs. C'était un bon pour de voyance et de guérison. La salle était remplie jusque dans les dernières rangées. Il y avait un jeune homme avec la guitare qu'il avait embauché pour faire la louange. Pas de collaborateurs, pas d'église, rien que des non-croyants dans la salle. Et je ne sais pas pourquoi, tout d'un coup, j'avais l'impression l'atmosphère change dans la salle. Tout d'un coup, il y en a un qui a raconté ou quelque part, ils ont compris que c'était quelque chose de chrétien sur cette réunion. Et tout d'un coup, l'atmosphère a tourné. Les gens commençaient à grogner un peu entre eux. On sentait vraiment une agression dans la salle. Et ils pensaient qu'on a vraiment été grugés par les chrétiens ici maintenant. C'était 4 heures. On doit commencer et le petit jeune voulait chanter avec sa guitare. On t'aime Jésus, mais il serait vite sorti les gens. Donc on a rien chanté. J'ai dit assieds-toi. J'ai pris le micro et je disais bonjour à tous. Et je disais avant Dieu, maintenant c'est à toi. Tu vois Dieu, ils sont tous pas croyants, on est tout seul. Maintenant c'est à toi de jouer, Seigneur. Donne-moi des paroles, Seigneur. J'étais là, oui, bonjour, soyez bienvenue. J'aimerais vous faire une démonstration. Il y a ici une dame, elle a mal aux dents. Oui, oui, c'est moi, c'est moi. Je disais mal de dents. Maintenant vous partez de cette dame. J'ai même pas dit le mot de Jésus parce que je savais si maintenant je dis Jésus, ils vont tous s'en aller. Tout de suite, ils ont été guéris. Oui, c'est guéri, c'est guéri. Là, il y a quelqu'un, un problème dans l'oreille. Je l'ai dit, mettez la main sur votre oreille. Douleur de l'oreille, maintenant vous partez. Et elle vous entendait normal. Waouh, la dame disait, oui, comme ça, 3-4 choses. Tout d'un coup, je sentais que l'atmosphère de nouveau devenait normale. Oh, c'est pas des chrétiens. Ça n'a rien à voir avec Jésus, c'est rien de religieux. C'est un d'entre nous. L'atmosphère a complètement changé. Ils n'ont pas été grugés. C'est effectivement de la guérison. Alors j'ai pris le micro, j'ai raconté, j'ai mon nom, j'étais homme d'affaires à Strasbourg pendant des années. J'ai raconté ma vie, je suis allé en prison, Jésus est rentré. Il m'a dit, je dois guérir les gens, c'est pour ça que je suis là. Et j'ai raconté normalement mon témoignage et l'appel de Dieu est venu. La puissance de Dieu est venue dans la salle pendant que je parlais. Je peux vous dire, tous les gens qui régulièrement allaient chez les voyants ou chez les guérisseurs, ils étaient pleins de démons. Et les démons, tout d'un coup, se sont couchés. Il y avait une paix dans la salle, une ouverture. Et je te dis, ce Jésus qui a fait ça avec moi, je dis, qui m'a pardonné, qui m'a guéri, il est là maintenant. Ce n'était pas une religion, vous pouvez dire oui à Jésus. Et je peux te dire, 90% de la salle ont levé la main, ils étaient décidés. Et alors les gens venaient par masse devant. Moi, je me suis derrière la table, j'ai donné des autographes du livre, et je dis, c'est tellement intéressant, j'ai jamais vécu ça dans un culte. Il y a des gens qui ramènent les photos de leur famille, et je dois faire du pendule avec celui-là. Et on a prié. Je peux te dire, les gens étaient tellement touchés. Je savais que Dieu est plus fort que tous les autres. Parfois, nous sommes tellement heureux. La salle est remplie de croyants et un incroyant. Et on se lève tous, on veut tous le convertir. J'aimerais de nouveau vivre ça. On a des cultes où 50% de personnes ne sont pas croyants. Où il y a une confrontation des esprits.
Et ce Dieu qui fait des miracles est là. Ce Dieu qui fait des miracles pour que les gens soient secoués, ébranlés. Mais Dieu voudrait aussi faire des miracles pour nous ébranler, nous. Dieu a souvent fait des miracles pour m'ébranler. Moi, je vous donne un exemple. Il y a un certain temps, je voulais acheter une voiture. Donc, je me connais un peu dans ce domaine-là. J'avais comme ça une idée. Je voulais un diesel, tant de PS. Et je veux pourtant être en d'argent et pas faire de crédit. Et dans le journal, je vois une voiture. Ma voiture de mes rêves, ce que je voulais. Mais ça coûtait 12 000 euros de plus. Et je disais, oui, c'est bien, mais ça coûte. Avec le Seigneur, je disais, ça coûte 12 000 euros de plus, je ne peux pas faire un crédit. Et j'avais fait des économies, j'avais dans l'argent dans une enveloppe. Et le Seigneur dit, achète-le. Le Seigneur dit, achète. Et je dis, Seigneur, je n'ai pas cet argent. Le Seigneur dit, si, tu l'as. Alors, vous savez ce que j'ai dit? Seigneur, tu peux tout, mais moi, je sais compter. Je sais combien d'argent il y avait dans cette enveloppe. Et vous savez, quand je dis comme ça des choses, des bêtises comme ça, et à chaque fois quand je dis des bêtises comme ça, j'ai l'impression que je regarde en haut et qu'il me sourit. Oui, oui, Pierrot, c'est OK. Et je suis allée chercher l'enveloppe et j'ai dit, Seigneur, je te montre. Et il y avait 12 000 euros de plus dedans que j'avais compté avant. Dieu peut multiplier l'argent dans une enveloppe. Et ce Dieu de miracle a fait beaucoup de choses dans ma vie où mon intelligence était complètement ébranlée. Et j'ai appris à mettre mon intelligence de côté quand l'esprit parle. Ça n'a avec intelligence rien à faire. C'est complètement différent. Le Seigneur m'a souvent dit quand je prêchais, raconte cette histoire, raconte ceci, cela, fais une blague. Et je disais, non, mais ça ne va donc pas maintenant. Cette histoire ne va pas non plus. Dieu dit, raconte. Et je commençais à raconter et je vois ce Dieu surnaturel a commencé à agir dans la salle. Moi, je sais, tu peux lui faire confiance. Tu peux, ton esprit, quand il est en communion avec le Saint-Esprit, tu peux lui faire confiance. Tu vas d'abord vivre les miracles. Quand tu fais ce pas de ton intelligence, de ton âme, tu sors de ça avec ce Saint-Esprit qui te montre et te dit des petites choses comme ça. Et parfois, tu vas aussi te tromper. Je peux aussi raconter comment j'ai fait des fautes, moi. Au début, en Allemagne, on habitait dans un immeuble et en dessous de chez nous, il y avait un couple qui habitait. Et mon épouse était un peu en contact avec cette femme en dessous et elle s'était vraiment convertie, cette dame. Mais son mari ne voulait rien savoir. Et un matin, je prie et je dis, Seigneur, cet homme qui veut rien savoir, le Seigneur me dit, il est dépressif. Bon, je ne savais pas. OK, je dis, Seigneur, merci. Je descends, je sonne, il ouvre. C'était quelqu'un de l'Allemagne, du groupe. C'est ceux qui soulèvent des grands poids dans les salles de fitness et tout. Il était vraiment grand, fort, cet homme, avec une moustache comme ça. Allô, qu'est-ce que tu veux? Je dis, tu es dépressif. Il dit, ouais. Ah oui, j'ai raison. Alors je dis, je t'impose les mains et je prie pour toi. Je mets mes mains dessus. Il m'arrache les mains, enlève tes pattes, sinon je t'en tape une. OK, alors désolé, je remonte. Seigneur, pardon, je suis déçu, tu m'as grugé, tu m'as posé un panneau. Tu m'as donné la situation, maintenant je suis l'idiot de l'immeuble, maintenant, Seigneur. Tu sais ce qu'il a dit, le Seigneur? Pierrot, je t'ai dit qu'il est dépressif, je t'ai pas dit que tu dois descendre chez lui. Nous allons tous faire des erreurs. Est-ce que c'est juste? On rajoute quelque chose, il faut que nous apprenions. Le Saint-Esprit veut être en communion avec ton esprit. La Bible dit,
Il faut que nous soyons en communion avec le Saint-Esprit. Pas être au mur de lamentation avec nos soucis, mais le Saint-Esprit veut être en communion avec toi. Alors il va commencer courtement te donner des petites choses à faire et tu vas le faire. Et plus tu le fais, plus tu vas apprendre à connaître le surnaturel et plus tu le fais, plus le Saint-Esprit va t'apprendre de plus en plus à aller dans le surnaturel. Il n'y a pas de limite. Et j'ai appris les dernières années à aller dans le surnaturel. Le Saint-Esprit me dirige dans des domaines où j'avais aucune notion, dans le monde invisible, où il y a des anges, des démons, dans l'esprit. J'ai voyagé dans d'autres choses aussi, mais je sais que c'est quelque chose que le Saint-Esprit m'a montré et qu'il veut nous enseigner. Il veut tous nous apprendre à tous à aller à ce niveau, ou ceux qui veulent plutôt. Il y a des chrétiens qui disent « Non, je suis satisfait, quand mon pasteur prie tous les dimanches pour moi, il vient à mon anniversaire, et je suis aimé, et tout, non, je suis heureux, c'est OK. » Mais il y a beaucoup de personnes, ils savent qu'il y a une autre dimension. Et ils savent qu'il y a un Dieu qui est surnaturel, sans fin. Et ils savent aussi qu'au fond de leur cœur, le temps de la confrontation arrive. C'est juste ça. Sans confrontation, il n'y a pas de victoire. Il y a quelques mois, j'avais une vision et donc je l'ai, dans une vidéo particulièrement pour la Suisse, je l'ai mis. Le Seigneur dit cette année qui vient, qui a déjà commencé, ça va être une année où ce Dieu du feu veut toucher la Suisse. Ce Dieu du feu va fortement venir sur la Suisse et beaucoup de personnes vont sentir ce Dieu du feu. C'est le plan de Dieu. Alors je voyais parallèlement aussi que la sorcellerie le voyait aussi, le savait aussi. Et l'esprit de sorcellerie connaît le plan de Dieu. Et ils savent que ce Dieu du feu veut venir et ils veulent nous empêcher. Alors je voyais comme cet esprit de sorcellerie a appelé sur la Suisse les esprits de sorcellerie d'autres pays pour venir aider. Et je voyais de beaucoup de pays, de Suède, du Nord, beaucoup de sorcières qui sont venues en Suisse pour vite essayer de contrôler ce qui n'est plus contrôlable parce que ce Dieu du feu arrive. Et il y a 3-4 semaines, j'étais en Suisse pour des soirées de réveil à Bâle. Et je veux dire, c'était vraiment des temps de réveil. C'était tellement rempli comme jamais. Et effectivement, il y avait 3 sorcières qui étaient dans la salle. Et une de notre collaboratrice, elle les a reconnues. Ce n'étaient pas des petites sorcières, mais il y avait même une chef. Ils étaient en 3e rangée, de belle allure, ces femmes. Pas comme on s'imagine parfois, et je sentais, il y avait une confrontation qui était là, ce Dieu du feu, et cette collaboratrice est allée là-bas chez elle, et elle les a vraiment confrontées, soit ici vous vous pliez le genou, ou alors vous dégagez d'ici, vous n'avez rien à faire. Et les 3 se sont levées, sont parties. De plus en plus, ça va arriver ces choses, vous comprenez? Aussi longtemps que le surnaturel n'est pas là, il n'y a pas de confrontation. Satan pense, ils sont tellement inoffensifs, ils sont tellement gentils, de scission et ceci, cela. Il est temps que la puissance de Dieu revienne et on va vivre cette confrontation. Mais ce n'est pas le niveau de l'âme, de l'intelligence, mais c'est le niveau de l'esprit. Et il faut que nous apprenions à rentrer dans cette dimension-là. J'avais dans mon cœur... Il y a 4-5 semaines à peu près, j'ai commencé une école de surnaturel. J'ai vraiment ça à cœur, d'emmener ces gens dans ce domaine-là. Et sur YouTube, j'ai fait une soirée, peut-être certains étaient là. C'était même, il y avait 20 000 personnes qui l'ont écouté. Et je disais, écrivez-nous quand vous vivez des choses surnaturelles. Et on a eu tellement de témoignages de gens. Toi qui étais au ciel ou d'autres choses qui ont vécu, qu'ils n'auraient jamais osé raconter dans leur église ou à d'autres chrétiens, où ils ont vécu des choses surnaturelles.
Ce n'est pas seulement Pierre ou un ou deux personnes, mais c'est un temps où Dieu appelle tout plein de personnes à aller dans ce surnaturel. Et je crois que j'ai sur le cœur que les gens aussi doivent se connecter ensemble et tous ceux qui ont cette soif de ce surnaturel, de ce Dieu surnaturel, d'aller dans ce niveau, dans ce réveil, ça va à la confrontation. Élie devait confronter pour que les battres prêtres soient tués. Et après, il a commencé à pleuvoir. Il n'y aurait pas eu de pluie et le peuple serait desséché si lui n'avait pas confronté les Baal prêtres. Les prêtres Baal étaient fautifs que la pluie n'était pas venue parce qu'il y a des Baal prêtres, pas seulement en Suisse, mais aussi en Allemagne, en Autriche. Les prêtres Baal sont partout et ils contrôlent tout. Vous savez, c'est le moment que les chrétiens se réveillent, qu'ils arrêtent de dormir et encore la prière, et encore la cure d'âme, et encore le mur de lamentation, encore des caresses. Il est temps que les chrétiens disent, moi, j'aimerais aller au niveau où ce Dieu de miracles vient avec moi, où ce Dieu de miracles est là. Et je crois qu'à chaque fois qu'il y a une vague comme ça, avec des miracles, par exemple, on avait une vague où tout d'un coup, des gens, en 3 mois, on avait plus de 50 personnes qui avaient des dents en or. Ils avaient même des plombs en or. Moi-même, j'ai 4 dents en or. Et la dernière fois que j'étais en Suisse, il y a une dame qui a un témoignage qu'elle a une dent en or. La dernière fois où j'étais là-bas, Dieu commence à donner des signes et des miracles pour dire « Allô, je suis encore là ». Mais il faut que nous compreniez ça dans l'esprit. Moi, j'aime, ce matin, quand j'étais dans l'ascenseur, il y a quelqu'un d'entre vous qui vient, je ne sais plus qui c'est, j'oublie vite, quelqu'un d'entre vous est venu dans l'ascenseur, j'ai dit « Pierrot, ne t'effraie pas », alors elle me donne un bisou. Alors elle dit « Tu sais, c'est un bisou de remerciement, parce que sur YouTube, il y a 3 mois ou 4 mois, sur YouTube, j'ai dit, et toi, tu ne vas pas perdre tes cheveux. Ils vont repousser tes cheveux. C'était qui dans l'ascenseur? Ah oui, c'est toi. Alors elle dit, tu sais, regarde, mes cheveux ont repoussé. Ça, ce sont des choses normales. Je peux te dire, sur YouTube, nous atteignons tellement de personnes, surtout des gens qui ne vont jamais à l'église, qui sont incroyants, et des signes et des miracles se réalisent. Aujourd'hui, j'ai eu un email d'une dame, elle habite en Tunisie, à Djerba. Il y a quelques années, elle est là-bas, elle avait l'impression qu'elle doit commencer quelque chose là-bas. Et alors, elle dit, elle allait tellement mal, complètement désespérée. Et cette nuit, elle a eu un rêve, et elle me voit venir vers elle dans le rêve. Je suis à son lit, elle se lève, et toute puissance démoniaque était partie. Je ne peux pas te raconter pourquoi, mais les dernières années, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont écrit, ils ont été malades, la nuit, ils ont eu le rêve, que je viens à leurs mains, que j'impose les mains, et ils sont tout de suite guéris. Je sais que Dieu a la capacité de prendre notre esprit, de l'emmener quelque part et de faire ces choses. Ce n'est pas parce que je suis gentil, que j'ai un super caractère, que je suis saint, mais parce que j'ai donné mon esprit à Dieu. Et vous savez comment ça s'est fait? Il y a 3 ans ou 4 ans, là en haut, au 18e étage ici. Un après-midi, j'étais dans ma chambre, le Saint-Esprit me parle, il dit, Pierrot, à 18h, tu montes sur la terrasse en haut. À 18h, je monte. Et là, c'était le temps où les gens descendent. J'étais seule là en haut. J'avais déjà ma chaise longue. Il y avait les couchers du soleil. J'étais sur la terrasse. Tout d'un coup, je sentais quelque chose se transforme et derrière moi, il y a la présence de Dieu. Et je dis, Saint-Esprit, c'est toi? Il me dit, non. Jésus, c'est toi? Non. Ce sont les anges? Non. C'est le Père. Alors, le Père était derrière moi et disait, j'ai une parole, Pierrot, je suis le Père de ton esprit. Je ne suis pas le Père de tes sentiments, de ton corps, de ton intelligence, je suis le Père de ton esprit. Et j'ai compris quelque chose, Dieu voudrait avoir mon esprit.
Il veut faire avec mon esprit ce qu'il veut. Et ça, c'est la raison pourquoi parfois, dans la nuit, dans d'autres situations, mon esprit, il peut le prendre et peut le mettre dans un autre pays ou ailleurs. Quand nous avons appris de notre intelligence, de notre âme, de notre situation, Dieu veut nous utiliser. Dieu, notre âme, toujours l'utiliser. C'est bien quand tu peux prendre quelqu'un dans tes bras et dire 10 fois « je t'aime » et l'amour de Dieu, moi je t'aime aussi, l'autre pleure, moi aussi, et c'est beau, nous sommes aimés. Mais ce n'est pas le niveau dont je parle. Moi, je parle au niveau de l'esprit. Les gens occultes ont compris beaucoup plus vite que nous. Un jour, j'avais un jour de libre. Je suis allée au sauna le matin. Il y avait quelqu'un qui était aussi dedans, un jeune. Il était assis dedans, position du yoga, longs cheveux, peut-être 20-25 ans. Je m'assieds aussi dans le sauna. Et je sentais, je le regardais, je sentais comme son esprit sortait. Et je disais, aussi intéressant, il fait de la méditation transcendantale, son esprit monte. Je disais, oui, ok. Je restais là et je commençais à prier. Et on sort ensemble du sauna. Après 10 minutes, quart d'heure, je le regarde et je dis, et à quelle altitude vous étiez, vous? Alors, je ne sais plus comment, mais il dit, 3000 ou quelque chose. Ou... Alors, je disais, ça, c'est rien. Moi, j'étais beaucoup plus haut. Alors il me regarde, il dit, je l'ai vu. Il a vu que mon esprit était au trône de Dieu et que je priais. Lui, il ne peut que monter un tout transcendantal, méditation transcendantale et voler un peu. Notre esprit peut aller devant le trône de Dieu. Pas avec l'âme, lui reste au mur de lamentation. Lui peut monter notre esprit. J'aimerais ce soir pas parler à ton âme, mais à ton esprit. Tu sais, ton intelligence est là en haut. Les sentiments sont là. L'esprit, c'est un étage en dessous encore, en toi. Et nous l'avons perdu, cela. J'aimerais parler à ton esprit, que dans ton esprit, tout au fond, ils disent « oui, ça c'est pour moi ». Et je veux arriver à ce niveau-là. Ce niveau, c'est là où Dieu m'appelle. J'ai comme ça soif dans mon cœur d'avoir une armée de prières aux prophétiques, de l'appeler des hommes et des femmes. Pas que ce ne sont pas des personnes qui sont spéciales, mais des gens normaux qui sont appelés par Dieu, qui ont donné leur esprit à Dieu et Dieu les utilise. Il y a 3-4 ans, nous étions en Pologne, en Dublin, avec notre armée de prière. On était un petit groupe, peut-être 30-40 personnes. Il n'y avait pas de programme. Et quelque part, le premier jour, on était dans une église, ils nous avaient prêté leurs locaux. J'avais l'impression, comme Dieu dit, aller deux par deux dans la ville. Pierrot prie avec eux que là ils vont se dispatcher dans la ville et qu'ils voient où sont les démons, où ils sont dans la ville, où ils contrôlent. Je pensais, Seigneur, ça on ne peut donc pas faire, ils sont là le premier jour, certains sont tout nouveaux, alors je les ai envoyés. Alors le jour d'après, ils sont revenus et Dieu a dit, ils doivent donner témoignage. Et je peux te dire, tous ont raconté où ils ont vu des démons, où ils étaient, quels démons ils ont vus. Je ne prie pas, il ne faut pas prier, je leur ai dit juste regarder, les voir. Je peux te dire, quand les gens rentrent et cet esprit prophétique est là, ça change tellement, c'est quelque chose de normal, le surnaturel. Ce n'est pas pour toutes les personnes. Mais moi, je sais que ce soir, il y a des gens qui sont ici. Chez ceux, ça va faire clic et dans leur esprit, ils vont savoir, ça, c'est le niveau que je veux. C'est le niveau où Dieu m'a appelé. C'est le niveau où il n'y a plus de limite
du naturel vers le surnaturel. Je peux sans doute toute la soirée vous raconter des miracles du surnaturel où chacun secouerait la tête et dirait « Est-ce que ça existe ?» Mais moi, j'ai appris qu'avec Dieu, il n'y a pas de limite, qu'il n'y a pas de limite. Et souvent, je pense, si je raconte ces choses à certaines personnes, ils ne pourraient pas le comprendre. Parce que notre tête, nous sommes tellement enfermés dans notre théologie, nous n'avons jamais entendu ces choses. Les gens qui sortent de l'occulte, ils n'ont pas de problème avec ce genre de choses. Mais les gens qui étaient 30 ans dans une église et rien n'a changé, ils ont un problème avec tout ça, parce qu'ils n'ont jamais entendu tout ça. Il y a comme ça une expression française qui dit « le goût s'éduque », ça veut dire « le goût, on peut l'éduquer ». Quand les enfants, les petits-enfants, ne boivent plus le lait et on commence donc à leur donner des légumes, alors il y a un choc gustatif. J'étais toujours avec, où mon épouse disait la première fois, je donne maintenant les légumes à mes enfants. On a aussi fait avec ça, avec des épinards, et c'est tellement beau de regarder. Tu leur donnes la cuillère dans la bouche, et tout d'un coup, tu remarques qu'ils réfléchissent. Ça, je ne connais pas. Tout d'un coup, ça fait... Est-ce que ta maman aurait dit plus jamais d'épinards, juste encore du lait, jusqu'à 20 ans? Si toute ta vie, tu n'as eu que du lait, comme dit Paul, et tout d'un coup, d'autres choses viennent. Alors, il y a des chrétiens, ils ont cette attitude-là. Comme ça, c'est occulte. Ce n'est pas occulte. C'est un Dieu qui fait des miracles. Le Dieu qui fait les portes. J'ai parlé ce soir de ce Dieu qui appelle surnaturellement. Pas ton âme, pas être béni, mais un Dieu qui appelle des personnes pour que ton esprit aille dans le prophétique. Ce Dieu qui est capable ce soir de prendre ton esprit, de le toucher pour qu'il sait « ça, c'est ce que Dieu voudrait de moi ». Je ne veux pas devenir une grande personne dans mon assemblée, mais j'aimerais donner mon esprit à Dieu quand il en a besoin et il peut l'utiliser à tous les niveaux. Et ça va aller au-delà de ma compréhension, de mon intelligence, mais je fais confiance à mon Dieu, au Saint-Esprit, que lui voudrait faire cela. Est-ce que tu es prêt à cela? À aller à ce niveau-là. Tu sais, quand Dieu te dit quelque chose, c'est toujours avant, dans ton esprit. Tu le savais déjà. Quand Dieu te dit quelque chose, bien sûr, ça va dans ta tête, ou tout d'un coup, mais tout au fond, dans ton esprit, tu le sais déjà. Tout au fond, dans l'esprit, tu sais que Dieu a quelque chose pour toi, que les autres n'ont pas. Quelque chose qui est en toi, où Dieu a déjà mis cette semence en toi. Tu m'appartiens. Quand je me suis convertie, je sortais de l'occulte. J'avais reçu de la délivrance. J'étais à un séminaire. Il y avait des grands hommes de Dieu là. Ils ont commencé à prier et tout d'un coup, ces démons manifestaient en moi fortement. C'était même grave. Je ne savais pas ce que c'était. C'était plus moi qui parlais, mais ma voix, c'était comme un chien. Je parlais comme un chien, tellement les démons étaient en moi comme ça et se manifestaient. Et pendant des heures, ils ont prié. Et je savais, ils ne vont pas aller. Mais je savais aussi qu'il y avait une confrontation. Et pendant qu'ils priaient, j'étais dans cette salle, il y avait 6-7 hommes qui priaient. Je voyais
dans le coin comme Satan était là debout. Et il disait, tu m'appartiens, tu m'appartiens. Et je savais, ils ne vont jamais pouvoir me libérer. Lui ne va pas me lâcher. Je savais qu'il n'y avait qu'une seule possibilité. Si Jésus rentre dans la salle. Et en bas de cette salle de culte, il y avait 80 personnes qui priaient pour moi. Et le soir, 12h, 24h, une femme disait, vous pouvez arrêter de prier, une lumière est montée. Et je voyais Jésus rentrer, et il était là, dans le coin, et de l'autre côté, Satan. Et je voyais qu'il y avait une confrontation. Ils se sont regardés les deux, et je voyais comme, fou, Satan est parti. Et je savais, maintenant, les démons vont sortir de moi. Maintenant, je suis libre. Et je sais, j'appartiens à Dieu. J'appartiens à mon Dieu. Il y a des personnes ici ce soir où le diable dit, tu m'appartiens, tu étais planifié pour l'occulte. Peut-être tu as été déjà consacré par des sorcières que tu lui appartiens, mais Dieu t'a appelé. Dieu t'a appelé. Et tu sens toujours encore la confrontation. Mais je sais quelque chose. Certains qui, d'entre ce soir, donnent leur esprit à Dieu, ils vont couper avec cette puissance de sorcellerie qui pense « tu leur appartiens ». Qui sait d'entre vous qu'il a été consacré, que le diable et la sorcellerie avaient déjà un plan pour toi et que tu serves pour eux, levez voir la main. Il y en a plus encore. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Ce soir, cette puissance va être brisée. Ce soir, cette puissance doit être brisée. Toi qui as été consacré en tant qu'enfant déjà à la sorcellerie, Dieu dit, je te consacre maintenant au prophétique, au surnaturel. Ce soir, maintenant, la puissance va être brisée. Ici, ça va être brisé. La sorcellerie va ce soir perdre. Et des personnes qui ont été consacrées, leur esprit va être consacré au prophétique, au surnaturel. Cette confrontation se passe maintenant. Il y a encore quelqu'un qui est là. Je sens maintenant, tu sens ce combat en toi maintenant. Une sorcière a versé du sang pour toi. Il y en a même une qui a sacrifié un enfant pour toi. Et je peux te dire, ce sang qui a été déversé n'a plus de puissance ce soir. Il y a un groupe de sorcières qui régulièrement sacrifient à cause de deux personnes qui sont assises ici ce soir. Tu le sais très bien. Et le Seigneur dit, ce sacrifice de ces sorcières, je vais les briser et ton esprit va être libre. Il va être libre. Il y a quelqu'un qui est là, tu es là ce soir, tu as le cancer. Et ça, c'est le résultat de cette sorcellerie. Dieu veut te guérir, mais aussi t'appeler à aller à ce niveau de l'esprit. C'est un temps prophétique. Et je peux te dire, la puissance de la sorcellerie va être brisée dans ta vie, les cauchemars vont s'arrêter, et je coupe maintenant. Ça te quitte. Tu n'appartiens pas à la sorcellerie, tu n'appartiens pas au diable, même si parfois il te suggère ça dans tes pensées, je dis au nom de Jésus, ça s'arrête maintenant, ça s'arrête maintenant. Et vous aussi, cette puissance doit venir au travers de la caméra, toi qui es chez toi, et je vois maintenant des sorcières qui ont regardé toute la soirée, qui ont rigolé, et je dis maintenant, au nom de Jésus, le temps du ricanement va s'arrêter. Vous n'allez plus rire, il y a une possibilité
plier le genou devant Jésus ou quitter ce pays. Sinon, cette malédiction va venir sur vous. Et la puissance de Dieu doit venir ce soir. Ce n'est pas mon âme qui confronte, c'est mon esprit qui confronte. Et tu sais quoi? Tu vas apprendre à confronter avec ton esprit. Et comme ça, nous allons rentrer dans le niveau du réveil. Nous sommes des préparateurs du réveil. Et après la grande récolte va venir, des pasteurs, des évangélistes sont là, ils vont venir organiser et faire. Mais l'esprit prophétique va aller devant, il va préparer le réveil. Et nous allons libérer ça. Je suis fâché quand je vois que tellement des chrétiens viennent et veulent, et la sorcellerie les empêche toujours d'aller à d'autres niveaux où la sorcellerie vient et ils rendent les chrétiens malades, ils volent l'argent ou brisent des couples, des mariages. Il y a des moments où ce Dieu, ce regard de ce Dieu jaloux, ce Dieu du feu, regarde en bas. Et après, quand il a son regard à la capacité de détruire la sorcellerie, et ce soir, je sens ce regard de Jésus. Il est plein de jalousie et de feu. Et il dit, c'est mon peuple. C'est mon peuple. Ce n'est plus le temps, il n'est plus le temps de jouer, mais c'est le temps d'aller à la guerre. Une armée de prières qui va aller à la guerre. Merci Seigneur que ce soir, que ça se passe maintenant, de plus en plus. J'aimerais encore prier et attends que ton esprit touche, que Dieu touche ton esprit, que tu reçois une délivrance dans ton esprit qui est en toi, que quelque chose est coupé en toi. Tu as été coupé de ta famille. Tu es coupé de ta religiosité. Tu es coupé de leader spirituel. Et tu sais que c'est ton chemin. C'est ton chemin. Et certains d'entre vous vont apprendre à confronter la sorcellerie. Merci Seigneur que chez quelqu'un maintenant, la tension artérielle devient normale maintenant comme signe. Ta tension artérielle maintenant va devenir complètement normale. Je parle à ta tension artérielle au nom de Jésus. J'aimerais faire quelque chose. Je prie maintenant que maintenant, ici devant, que le feu de Dieu touche le sol devant ici. Et je vais un peu taper sur ce tambour. Et pendant que je tape sur ce tambour, le feu de Dieu va toucher l'esprit de personne. Et si tu sens que tout d'un coup, ce feu touche ton esprit, alors cours devant, cours dans ce feu, pas en vent. Aussi Dieu t'appelle, alors cours dans ce feu.
Et ce Dieu du feu t'appelle ce soir. Ce Dieu du feu t'appelle. Ton esprit lui appartient. Ton esprit lui appartient à lui seul. Et l'esprit de mort va te quitter. L'esprit de mort va s'en aller. Et tu vas prophétiser la vie, dit le Seigneur. Tu vas prophétiser la vie. Je vois comme beaucoup de personnes devant les derniers temps, vous étiez sous une pluie amère. Une pluie amère, amère qui t'a rendu fatigué. Et le Seigneur dit, maintenant il y aura une pluie qui va venir. Une pluie, ma pluie va venir, qui va enlever cette pluie amère, acide. Maintenant ça vient, une pluie vient maintenant sur vous, une pluie vient maintenant qui enlève cette poussière, ces échecs et cette sécheresse, ça vient maintenant sur toi, une pluie. Père, la fatigue depuis des semaines, ça s'en va. Ça s'en va maintenant où la mort était venue et tu pensais, c'est la fin. Je dis au nom de Jésus, la mort va s'en aller, va te quitter. Tu ne vas confronter la mort. Tu vas confronter la mort. Maintenant, maintenant. Merci Seigneur, où la sorcellerie déjà dans l'enfance a détruit certaines choses, que maintenant que tu vas guérir. Seigneur, et maintenant, des hommes vont se lever, ça va être des hommes. Des hommes de Dieu qui sont capables de prier pour que le feu de Dieu vienne, c'est maintenant, ici. Père, un temps fort, un puissant temps maintenant, pour des hommes forts. Père, enlève toute charge que des gens avaient posée, ce qu'il doit faire ou pas faire, que tout soit enlevé. Il est libre, il est libre, il est libre. Maintenant, maintenant tu es libre, tu ne vas plus faire ce que les autres te disent que tu dois faire. Dieu va te poser des charges et ça va être autrement, dit le Seigneur. Ça va être autrement, dit le Seigneur. Tu sais, quand le temps de la sorcellerie venait, tu vas voir comme des hommes vont venir et vont être une protection. Ils vont être une protection. Ça vient maintenant, non? Ça vient maintenant. Ça vient maintenant. Ça vient sur toi maintenant. Reçois la légèreté de Dieu. Reçois où des années tu t'es battu, combattu, une légèreté qui vient maintenant et des portes vont s'ouvrir. Maintenant, les portes s'ouvrent. Tout d'un coup, tu vas voir comme des choses vont se passer. Ça va être tout facile. Des années, vous étiez enfermés. Des chaînes de malédiction étaient là. Je vois comme maintenant, ça s'ouvre. Les portes vont s'ouvrir maintenant. Ça ne va plus être difficile. Ça va être facile. Très facile. Merci Seigneur, que ce soir, que l'appel de Dieu est là, que l'appel est là. Merci Seigneur, que l'armée de prière va se lever, qu'elle va se lever. C'est là, lever, qu'elle va se lever, lever. Je vois comme tes parents parfois t'ont mis comme ça, comme un corset. Tu étais comme dans un corset, mais ce soir tout ça s'enlève et tu vas de nouveau pouvoir voler. Tu pourras de nouveau voler, tu vas apprendre à voler. Merci Seigneur pour ces personnes merveilleuses. Merci, j'aimerais prier, Père, que cette nuit, certains
vont être touchés cette nuit. Une forte onction de toi, comme si la bonté de Dieu se posait sur toi. Tu n'as pas fait des choses folles ce soir. Tu as fait quelque chose où la bonté de Dieu va venir sur toi. Ça va venir sur toi. La bonté, la bienveillance vont venir sur toi. Et c'est bon comme ça. C'est bon comme ça. Chantons encore ensemble ce chant. Tu es Seigneur. Tu es ressuscité. Tu es Seigneur. Tout genou fléchira. Un chant prophétique ce soir. Demain, à 8 heures, à la prière, ça continue.
mit Feuer, komm mit Feuer. Thank you.
Christmas.